Allez, c'est parti. Alors, ce qui est chiant avec Bakasura, c'est que t'as pas le... On va se faire déboîter à coup de Blue Stone, quoi. Sur un solo. Va falloir que le tir, il envoie du steak. Ok. Je prends mon 2. Vu qu'on va se faire cogner la gueule, autant régène. Mais c'est vrai que là, tout de suite, les persos comme lui qui ont moins d'emprise au niveau des compétences, c'est un peu baisé sur le very early avec le Bluestone. Un peu comme Mercury où le Bluestone proc pas sur le 1, c'est complètement con, mais bon, tu fais avec. Oh, salut. Si j'avais eu mon 3, il était mort. Ah. Ouais, donc quelqu'un fait gaffe au mid. Il a pas utilisé sa compétence, l'Anubis, donc on n'a pas pris de dégâts. Il n'a pas du tout voulu temporiser ou quoi. On va prendre son bleu. Hein. Carrément. Toujours compliqué quand quand ça commence pas pareil des mêmes côtés, des deux côtés. Tu sais pas comment ça va s'équilibrer en fait, t'es jamais sûr que ça va passer. Hop, on le bouffe. Ok, ça c'est bon. On perd peut-être un peu, tout petit peu de farm sur la creep lane, mais on lui empêche d'avoir son truc. Allez, stack moi ce Ragda. Les dernières fois que je l'ai acheté, ça s'est très mal passé, donc je sais pas trop si ça va marcher. Oula, qu'est-ce qu'il a fait? Il a raté son dash. Il m'a pris mon speed, l'enculé. Il a fait le Hi-Fi Fire Camp. Le bleu, ils l'ont pas fait, donc on a quand même le bleu. Ok, c'est bon. Tout n'est pas bon. Ah oui, non mais le Rangda c'est toujours hyper fort, c'est juste que les dernières fois que j'ai joué un Rangda, je l'ai revendu avant d'avoir pu full stack, tu vois. Et là tu te dis putain, j'ai vraiment merdé quoi. J'ai pas joué assez agressif, etc. quoi. Et c'est plus dans ce sens là. On fait le mid camp forcément, mais bien entendu, ils ont dû avoir l'autre aussi. Il a fait son raid solo. Je suis en retard. Alors oui et non, parce que le Susano est aussi level 3, mais. Je suis pas très très bien. Faites gaffe à droite, hein. On a call que ça pue la merde. Vous faites pas gank en mode après avec des pings de mongoliens et tout. Ouais, c'est ça, c'est que t'es surtout quand tu joues un assassin quoi, c'est vraiment que t'as chié ton rang là quoi. Ouais, c'est rapide. What? Il a eu son ulti, l'enculé. Ça va être chaud. Ah putain. Super. Enfin super. Je suis pas mort. C'est déjà bien. Ça aurait pu se passer bien pire. Ça aurait été bien que j'ai mon ulti avant en fait. Comme ça j'aurais pu emmerder le Zeus. Mais non. Hein, voilà. Alors, on va attendre ici pour avoir l'ulti. Vas-y posez, fais-moi des. Merci. Allez, je décale. Je laisse le farm. Faut que je prenne le campement ici. C'est un peu tricky là, si je le fais maintenant... ah il est là, Anubis, très bien. Merde, il m'a vu, donc je peux pas. Il est sur son bleu. Ah non. Il y a Suzanne qui est là. Non. Et je vais dans la mauvaise direction. Voilà. Full dégâts, je suis mort. Putain de merde. Merde quoi, franchement. C'est quoi ce move de chiasse quoi?
Combien? 20% de slow, le mec il s'en bat les couilles parce qu'il a son passif, il est full, il est là, il fait bon bah les couilles, je cours trop vite. Mais ta gueule! Ta gueule, Susano, quoi! Quand est-ce qu'on supprime ce perso du jeu? Je déteste. Je pense vraiment que c'est mon perso qui me saoule dans le jeu. Là, s'il y a plus vite que Mercury, ce que je trouve complètement con. Voilà. Et il y a le dieu de la vitesse! Et, il est plus lent qu'un autre. Alors, c'est pas le dieu de la vitesse, mais bon, voilà. Hein? Mange des vieilles galettes de maïs, c'est écrit avec une pointe de sel. La peau de mes rouleaux, c'est dégueulasse. Avec une pointe de sel, c'est des bonnes galettes faites à base de MOBA. Hein. Le bon sel, tu vois. Bon sel de Garand. Viens, on va saler la game. Pardon. Fuck. Ah, et puis l'AIJ, il a tout fait. Hein. Il a perdu les autres. What? Les dégâts qu'il a pris? Le Gab, il était full life ou pas? Je sais plus. Je vais en prendre un, hein, dans le doute. Hein, mais je vais aller plus vite. Il est comment, Susano? Ok, comme moi, mais mieux. J'ai aucune stack encore du Rangda. On est bien. On a compris le but de la game. Zeus a pas trop de mana. Par contre, il a des wards. Il m'a vu arriver tout à l'heure. Ouais, même chose. Là. Petite tape amicale. Voilà, bisous. Et Jimen, comment vas-tu? Ouais, mais tout le monde va plus vite que Mercury, c'est pas normal. Mais ta gueule, Susano, est-ce que je peux avoir de l'aide? Allô, ils sont derrière moi avec la Athéna en plus. Ils sont en train de faire ça là. Ah oui, de les faire en plus. Oui! Je dis oui à la baise du bonhomme chapeau! Oui! Qu'est-ce qu'Anubis fait là? Ah oui! 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 Non! Et j'ai plus de beads? Bah non, allez! Je m'en vais, bisous! Tranquille, le week-end ça fait du bien. Ouais! Le week-end de la fatigue de mon côté, mais ça va. Un peu d'argent, donnez-moi l'argent s'il vous plaît, moi voilà la croquette. J'ai pris 3 stacks, je suis content, ouais. J'ai jamais joué Bakasura depuis que le Rangda est arrivé. Je pense que c'est fun. Le Rangda c'est vraiment un item complètement con quoi. S'ils avaient mis un peu, ça aurait été pété, hein, mais un peu de régène dessus pour que ça puisse être joué sans le Boomba. Ça aurait été génial quoi. Tu prends un Rangda turquoise en early, les mecs ils font. Tu prends les stacks et tu te casses. Oula. Je pense que t'es dans la merde. Oh merde, il fait bien. Oh, ça pue. Oh. On a tellement pué. J'ai l'impression. Est-ce qu'ils ont ralenti? Je pense pas, hein. je l'ai pas de shot. Ils ont ralenti le saut de Bakasura ou quoi? Parce que je ne touche rien avec. Je rate bien mes sauts. Je fais des bons jumps bien schnapsés là. Ouais, mais c'est en conflit. On s'en bat les couilles au conflit, Kana. Je trouve que les Bakas qui sortent vraiment du lot, il y en a pas plus que ça quoi. Alors Zeus, tu vas vers où? Allez, feu. Mais putain! Merci quoi! Bon, je m'en fous, mais j'aurais dû avoir un stack en plus là, putain de merde, c'était à moi de le tuer! On a toujours été lent, ouais, mais je sais pas pourquoi j'ai cette impression de lenteur sur cette game là, je chie complètement le truc quoi. Hormis, parce que t'es nul! Hormis l'argument de merde, c'est bizarre. On fait des belles games avec Bakasura plus d'une fois. Il y a un peu de frustration tout ça. Ah, ils nous ont visé le speed quoi. Parce que Gabe a back devant, mais en fait ça se faisait déglinguer quoi.
Bah j'ai fait qu'une game du CTF Jiben, la vidéo que vous avez vue, et tout est dedans. J'ai pas retouché, je toucherai quand il sortira, je m'étais dit que je ferai un peu de farm ou quoi ce week-end ou quoi. Puis finalement c'est comme tout, c'est tu sais tu te marres quand c'est frais, et si tu commences à farmer sur le PTS, tu perds tout l'aspect fraîcheur qui peut t'amuser quoi. Donc j'ai pas envie de perdre ça. Vas-y, je reste là, ouais, merci. T'es sérieux le jeu? Vas-y, t'as raison, je vais t'assassiner toi. Il fait le tour. Vas-y. Je suis un putain de cancre là sur cette game. Mais je rate un nombre de choses. Je voulais mes stacks. J'avoue, je voulais prendre le premier rang du rang d'âge et grider mon cul. Mais c'était pour la bonne cause. Ouais, exactement, Snacking, c'est exactement ça. Les vannes de Noël, après 10 games, t'en avais plein le fion. Et ouais. Donc c'est pour ça, j'attends de que ça sorte. Et Alexiboy, comment vas-tu? Et puis on verra quand ce sera sorti. Je trouve que c'est sympa, mais on sait très bien comment ça va finir. Il va être des builds prédéfinis. Et c'est comme ça qu'on gagne. Et des mecs qui vont faire les mêmes strats tout le temps, comme dans tous les CTF. Et très rapidement, ça va être pollué par des gens, indirectement pollué, parce qu'ils ont raison aussi. Le but, c'est de gagner, quoi. Ce qui va enlever le fun qu'on peut retrouver sur la map sans doute. Genre c'est par là qu'il faut passer, c'est la méta, du CTF, au bout de deux jours t'as la... Putain... C'est bon, foutez-nous la paix avec votre méta de merde, même sur les modes fun vous arrivez à te faire chier quoi. Faut prendre Thanatos pour le mode de l'hiver, sinon t'es perdu. Oui, d'accord, mais bon, on peut aussi s'amuser, prendre les pics qu'on veut. NON! Les mecs ils livrent le lobby, mais t'es sérieux? Oh! Ouverture d'esprit tout ça? NON! Ok. Par contre, je le trouve un peu rush. À 700 gemmes, bon, alors oui, t'as deux skins, etc. Puis t'as la licorne. Bon, je suis complètement hermétique à cette merde de licorne, perso. Mais ils auraient pu, à mon sens, pas juste faire. Ils auraient dû faire un beau skin de Guan Yu où ils remodélisent le perso, pas juste l'habiller hein, directement. C'est une skin comme ça, quoi. Et là, ça aurait été fat. Mais il manque un truc pour que ce soit vraiment du bon boulot qui donne envie, je trouve. Le Susanoo, par contre, est particulièrement beau, mais ça n'empêche pas qu'il a une animation de merde quand il court. Grave de retard, putain. Non, le body block du Gouac. Zeus, je te baise, Zeus. Mais j'ai jamais joué bac à sourd aussi mal de ma vie. Alors, à gagner, oui et non. J'ai pas tout suivi comment on gagnait les trucs. Je sais que si tu prends le pack, t'as une clé et l'autre, elle est à gagner. Le mode est gratos, Snacking, mais si tu achètes le mode qui sort à 1000 gemmes et qui sera en promo à 700, si j'ai bien compris, t'as le skin de Nike avec des conneries, genre un skin de drapeau, enfin de la merde, hein, comme d'hab. Et à côté de ça, une clé qui te permettra de débloquer un des deux skins, et l'autre tu pourras de toute manière les débloquer sans doute au cours d'une quête. Mais apparemment, pour avoir les deux skins, donc Susanoo et Guan Yu, il faudra acheter le truc. Donc là, quand tu te dis que c'est que pour Mars et qu'ils vont en sortir un autre après, etc. Tu sens là que Hi-Rez, ils sont en mode tractopelle du portefeuille et qu'ils vont nous sortir de plus en plus. C'est très bien d'avoir du contenu. Mais, oh la vache, de plus en plus quoi. C'est chaud. C'est chaud parce que... Au vu de la qualité du reste du jeu en ce moment, t'as pas vraiment envie de mettre de l'argent dans le jeu quoi. Là, je me suis fait, par mégarde, on va dire, spoiler un bout du prochain perso. Y a une très bonne idée dessus, mais alors à côté, je pense que ça va être de la chiasse interminable, quoi. Mais je comprends le côté marketing du truc. Bien entendu, je dis ça, mais je vous en parlerai pas, parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas se faire spoiler, etc. Tu m'as un peu raté. Enfin. Quel jeu ? On parle de Smite ? C'est pas limité à Osef, exactement. Je pense qu'il y en a... La Nikkei est limitée, mais pas les deux autres. Je crois que c'est ça. Et la Nikkei... La lance est très belle de Nikkei, hein, voilà, sur le skin. Mais à côté, elle est relativement quelconque. Ils auraient pu faire un truc beaucoup plus travaillé. C'est un peu dommage. Pour une limitée, ils sont pas allés non plus très très loin. Et bon, c'est un peu... Comme souvent, quoi. C'est dommage. Je trouve qu'ils vont pas assez au bout des bonnes idées, Hi-Rez. Ça fait un moment que ça dure.
Ouais. Super! Ah, Susano, je te déteste, je te l'ai déjà dit! La Nikki, on dirait un skin de convention. Ouais, c'est... On dirait un ricolore, voilà. C'est... Voilà, moi, il y a la lance, ok. Mais le reste, c'est complètement dispensable, quoi. Tu te dis, putain, les mecs, ça, c'est limité! Et vous avez habitué à tellement mieux. Ah, skin Susano et Gonyu sont limités? Ben voilà, bon, ben, ça règle le problème. Non, le skin David Guetta de Zeus, c'est pas dans l'event, ce sera un skin à acheter à côté. Je sais pas si c'est coffre ou quoi, hein, c'est toujours la même merde. Le problème de ce genre de truc, c'est que sur le PTS, t'as pas vraiment les infos de qu'est-ce qui est dans un coffre ou pas. Tu la prends souvent à l'arrivée après. Le Zeus, moi je le trouve beau. Je trouve dommage qu'ils aient mis un gros truc au-dessus de la tempête de l'ulti. Ils auraient pu rester plus sobres. Mais je le trouve relativement bien pensé et coloré, etc. Je sais plus c'est quoi l'autre skin. Je trouve que c'est un patch au niveau skin assez cool. Ils auraient pu faire vraiment pire. Vraiment, c'est quoi le 4ème? Il n'y a que 4 skins. Bah, je crois que c'est nickel. Je crois qu'on a fait le tour des skins. Ils ont besoin de pognon pour leur dos de jeu assez moisi. Bah, en même temps, RS, c'est Smite qui leur permet de rentrer un max de thunes maintenant. C'est sûr que ça va pas être Smite Tactics. Et éventuellement, Smite Rivals risque d'attirer plus de monde, tu vois. Bon, je le tente, mais je pense que ça passera pas. Je suis vraiment désolé pour toi, Anubis, t'as été un peu stupide. C'est toi qui m'annonce la mauvaise nouvelle. Ouais, il y a un petit côté, Jojo, on t'aime bien, et là, tu fais quelque chose de très mauvais. On a un peu envie, et on a envie de te tabasser, quoi, avec tes propres chaussettes, maintenant. On met dedans, on met des nouilles, pour pas que ça te fasse trop mal, et on a envie de te taper avec. Tu te rends compte un peu de ce que tu nous fais ? Mec, respecte-nous. Ah, le dernier, c'est Thanatos. C'est le T2 de Thanatos ou pas? J'aime bien le nom parce que c'est rigolo. Enfin, c'est un gros clin d'œil à Sephiroth, hein, donc faut pas... Voilà, mais je le trouve rigolo. Après, bon, quand t'as l'air compte, tu t'en bats les couilles. Anur. J'ai pas mon ulti. Je peux t'avoir au jump, ceci dit. Ah, je l'ai pas. Oh, fils de pute. J'y arrive pas. Ok. Je suis désolé. Je suis désolé, c'est tellement laid. Ah, le Thanatos, franchement, il est chouette. Tu sais, ils ont ajouté 2-3 petites bricoles qui font que le perso est relativement cool. C'est un peu comme le T2 de Nemesis, qui est assez basique, mais hyper beau. Comparé à un T2 de Medusa, qui est assez merdique, et voilà. C'est le T2 de l'angoisse, le T2 de Medusa. Je suis montré à Bedlim ce qu'il m'a fait. Ils ont changé quoi dessus? Voilà. Ah, je suis mort. Non, c'est bon. Ah, je sais pas, il me shield ou pas? C'est du Overwatch, mais pas fini. Ouais. Mais après, c'est gratos. C'est gratos. C'est pour ça que souvent... alors, le duel interminable de Overwatch Paladin, il y a un moment où juste l'argument c'est gratos, bah, il y a plein de gens qui vont y jouer juste parce que c'est gratos.
et ils ont pas envie de dépenser ou ils ont pas les moyens. Il y a plein de raisons qui donnent le fait de pas avoir envie de jouer à un jeu. Et résultat, tu pourras jamais leur dire qu'Overwatch est mieux parce qu'ils diront juste ouais, mais celui-là je l'ai pas payé, je m'en bats les couilles, tu vois. J'ai pas de compte à rendre ou quoi. Je m'en fous. C'est le début de la débilité là. Avec le rank d'as, c'est nimp. Je me demande si. Non, alors Seeker, c'est de la merde là-dessus. Prendre un brise rush. Histoire de garder beaucoup de mobilité. Il avait déjà jump de toute façon, donc il pouvait plus escape. Et ben voilà! C'est pas compliqué, bordel de merde! C'est toujours les mêmes rôles pour gagner les games, y'en a marre! Voilà quoi!